FM. الكل مليك. اليوم باش نحكيو على موضوع يظهلي الهم التوانسة الكل وعنا برشا نحكيو فيه والحقيقة موضوع مؤلم. باش نحكيو على النقابيين الأمنيين وليد زروق وعصام دردوري. نفكروا لي وليد زروق في السجن عنده أكثر من 6 شهور من شهر أوت. من شهر أوت تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه, وعصام دردوري من 4 نوفمبر تقريبا في السجن. علاش؟ على خاطر دي بوست فيسبوك. أي نعم, حاجات هذوما مازلنا نشوفهم. عصام دردوري وليد زروق يتحدثوا على لو سيستيم جوديسيير في تونس, يعني على الجهاز القضائي في تونس. يتهموه برشا حاجات, نعرفوا القضايا الارهابيه اللي موجوده لهنا, نعرفوا الاتاك اللي صارت في متحف باردو تقريبا نهار 18 مارس 2015, بعدها بتقريبا 3 شهور نشوفوا اتاك اخرى في سوسه في شهر جوان. باش نحكيوا اكثر عمق في الموضوع هذا مع محامي النقابيين الامنيين وليد زروق وعصام الدردوري, هو في الحقيقه محامي زاده الضحايا فرنسية من الاتاك اللي صارت في متحف باردو. ماتر فيليب دوفول, بونجور. Bonjour. Bonjour maître, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc comme nous étions en train de l'expliquer, nous allons discuter de l'affaire Walid Zarour et Aïssam Dardouri. Walid Zarour étant incarcéré depuis le mois d'août et Aïssam Dardouri est apparemment c'était le 4 novembre 2016, donc de l'année dernière. Donc si vous nous parliez d'une manière un peu brève de cette incarcération pour qu'on puisse s'approfondir un peu plus sur les chefs d'accusation qui sont un peu bizarres. Oui, en fin de compte, c'est un embourgeoisement d'accusations qu'on leur reproche, mais si on retient l'essentiel et le principal, et comme je l'ai dit précédemment chez vos collègues, vos confrères, c'est que ce sont des lanceurs d'alerte. On assiste en Tunisie à une dérive de la justice. La justice doit être indépendante, et pour être indépendante, il faut des juges indépendants. Or, on assiste au fait que l'autorité judiciaire tunisienne part à volo. Et Walid Zarouk et Aïssam Dardouri en sont les victimes. Pour moi, ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui sont, par leur métier, qui ont donné des informations qui nous servent pour l'obtention de la vérité, notamment dans les attentats du Bardo et aussi de Sousse. Qui sont liés, d'après ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas dissocier l'attentat du Bardo et de Sousse. Les deux sont liés, les commanditaires, il y a une nébuleuse. L'affaire est sordide et il y a une nébuleuse sur ces dossiers. L'instruction n'est pas claire, il faut démêler les fils. Et nous avons différentes sources sûres qui nous disent qu'il y avait plusieurs commanditaires avec une certaine hiérarchie. Pour le moment, c'est pas l'objet de cette interview aujourd'hui, mais une véritable nébuleuse autour de ces attentats qui sont intimement liés. Non mais maître, justement, nous avons besoin de comprendre en profondeur la problématique de cette affaire qui reste à peu près sombre. C'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec vous, mes confrères également, vous dites que le pôle judiciaire ou le système judiciaire en Tunisie est entre guillemets corrompu. Il y a certains juges qui ne sont pas totalement indépendants, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de la révolution tunisienne, mais il faut savoir qu'au moment de la Troïka, le parti islamiste Ennahda a fait main basse sur l'institution judiciaire en nommant des nouveaux juges qui sont plutôt liés à l'islamisme. Et donc, dans cette affaire du Bardo et de Sousse, nous confrontons à ce genre d'incident. Oui. Qui est très grave, parce que ce que l'on veut, nous, c'est la vérité. Dans l'affaire du Bardo particulièrement, l'on sait de sources sûres et certaines, et les preuves sont accablantes, c'est que les présumés complices de l'attentat du Bardo ont été relâchés. Ils sont dans la nature, ils courent. Motif de ? De torture. Alors, comme je l'ai déjà dit, la torture n'est pas établie. Mais combien même y aurait-il eu torture ? Ça n'empêche pas que ces gens sont des criminels, sont des complices. Donc, ils n'ont rien à faire dans la nature. Leur place serait dans la prison pour être jugée. Mais comment est-ce possible, maître, que les chefs d'accusation soient bien là,
que les preuves soient bien là, parce que on sait très bien que Walid Zarouk était au sein de la prison, il faisait partie des prisons et réformes, c'était un gardien, oui. Il a même témoigné, oui, que torture il n'y avait pas. Donc oui, comment cela se fait-il qu'ils aient été libérés sous motif de torture? Alors ça, il faut le demander au juge Béchir Hakrimi. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation, c'est que nous pensons porter plainte contre lui. Mm-hmm. Comme il est déjà accusé dans un autre dossier de l'assassinat de Chokri Belaïd. Mm-hmm. Ce juge qui a été nommé procureur à la veille, enfin, très peu de temps après avoir ordonné cette ordonnance de clôture de l'affaire, bizarrement, il a été nommé procureur. Comme quoi, on veut institutionnellement le protéger. L'institution judiciaire veut protéger ces juges que nous incriminons. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour protéger? Parce que maintenant, on sait que la priorité, c'est vraiment la santé de Walid Zarouk, par exemple, qui est entré dans une grève de faim sauvage, qui a des problèmes, oui, de reins. Il a été hospitalisé pendant quelques temps et puis réincarcéré. Il a été changé plusieurs fois de prison. Et maintenant, d'après l'information que vous m'avez transmise tout à l'heure, et hier aussi, vous nous avez dit que Walid Zarouk se trouve dans la même cellule qu'à peu près 13 terroristes. Serait-ce possible? Oui, ça c'était au mois de décembre. Oui. C'est pour ça que j'ai interpellé Amnesty International, qui a mis cette diligentée une action urgente auprès du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Oui. Je l'ai aussi saisi pour la sécurité de son épouse Inès. Mm-hmm. Nous étions à ce moment-là très inquiets. Et depuis, les 13... Les 13 incarcérés qui étaient des terroristes ont été retirés de sa cellule. Mmh. Nous sommes toujours très inquiets sur sa santé et nous observons si les choses se passent bien. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une demande officielle auprès du président de la République, voilà, M. Béji Kaïdé Sénépsi, pour obtenir leur grâce. Alors, j'aimerais ici faire quelques précisions. C'est pas parce que je demande leur grâce que je reconnais leur culpabilité. Oui. Je passe simplement par une voie hiérarchique. Pourquoi ? J'enseigne le droit constitutionnel depuis plus de 10 ans de jeunes étudiants et je leur explique bien que l'autorité judiciaire est indépendante, le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif, mais dans l'ordre de la hiérarchie des normes et du pouvoir, seul le président de la République est le gardien de la Constitution et il est le seul habilité à être l'arbitre. Or, dans ce cas de figure, hein, dans cet imbroglio juridique, je fais appel à lui, à sa grande sagesse. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour le président, mm-hmm, et je suis dans l'attente. Mais c'est en aucun cas, je reconnais une culpabilité de la part de Walid Zarouk et d'Issam Dardouri qui ont pu faire le bien, qui ont voulu dénoncer des éléments prouvant que l'instruction était bafouée. Surtout qu'à cause de post Facebook, maître, de Walid, oui, Zarouk et aussi bien de Issam Dardouri, Walid Zarouk s'est trouvé sous le coup de la loi antiterroriste. Donc, est-ce que vous pouvez... Oui, alors, c'est absurde. C'est-à-dire que Walid Zarouk et Issam Dardouri luttent contre le terrorisme. Et je pense que une partie du peuple tunisien, d'après ce que je peux apercevoir, manifeste et ont une crainte du retour du terrorisme avec tous ces anciens combattants djihadistes, mmh, tunisiens et peut-être des franco-tunisiens qui veulent revenir au pays. Et leur crainte est légitime. Mmh. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est que la sécurité de la Tunisie concerne la sécurité de la France. Mmh. Si vous voulez, Walid Zarouk et Issam Dardouri, qui sont des défenseurs sécuritaires qui veulent le bien de leur pays, en quelque sorte, sont en prison, alors que des terroristes, des présumés terroristes complices, ont été relâchés. C'est le monde à l'envers, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que je fais appel au président de la République pour intervenir, pour interférer. Moi, je ne donne aucune injonction au président de la République. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut très bien être silencieux et refuser, botter en touche ma demande. Mmh. Mais je pense que là, il y a une opportunité de remettre les pendules à l'heure. Mais justement, pour conclure, maître, vous avez eu recours à Amnesty International, vous avez eu recours, oui, à cette lettre ou cette correspondance avec le président de la République, M. Béji Khaled Sepsi, pour la Grèce présidentielle. Si cela ne se passe pas comme vous l'avez prévu, quelle sera votre prochaine étape? Eh bien, je vous dirais que le combat continue. Hélas, comme disait le général de Gaulle, mais
Ce qui se passe, c'est que évidemment, j'ai d'autres leviers judiciaires et juridiques. Il y a des institutions internationales et je me réserve le droit de saisir ces leviers. Mais je garde espoir. Je pense que la sagesse va prévaloir sur ma demande. Donc, pour l'instant, je suis dans l'attente. Je suis serein. Je vous remercie beaucoup, Maître Philippe Deval. On est tous avec nos deux compatriotes et je vous remercie pour cette intervention. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Que. Voilà, donc كان معنا المحامي محامي نقابيين الامنيين كما قلنا وليد زاروق وعصام دردولي ماître فيليب دوفل قال يعني عمل ان بتي ريزومي نتاع لي شيف داكوزاسيون نتاع عصام ووليد قال لي وليد في حاله صحيه ماهيش سهله بالكل تم نقله من سجن لسجن ان سيغتان مومون في شهر ديسمبر كان في نفس السيلول مع تقريبا 13 الارهابي الشيء اللي ندد به المحامي وتم انقاذه مع بمساعده بيان سور زوجته زوجة وليد زاروق اللي هي فريمون ايل مان كومبا كبير برشا يعطيها الصحة المرأة هذيك مرأة تونسية بالحق قال اللي وليد طاح تحت قانون مكافحة الإرهاب اللي هو إنسان يعني حسب كلام المحامي اللي هو إنسان قاعد يل دينونس ويندد وقاعد يخرج جوستومون يحاول يخرج الإرهاب هذايا من بلادنا احنا نسوم لوب دان روتور ايفونتويل نتاع إرهابيين اللي ينجموا يكونوا توانسة ينجموا يكونوا من جنسية يعني فرنسية تونسية على أبواب الحدود التونسية باش يرجعوا وليد وعصام حاولوا يلزيفيت الحالة هذه التونس لقاوا رواحهم في السجن وليد محكوم عليه الأكثر من عام يعني عام حبس عصام من 4 نوفمبر في السجن علاش على خاطر دي بوست فيسبوك لهنا فما برشا يقولوا ويني حرية التعبير وينو الفصل 115 هذه سيتون بوليميك كبيرة برشا المحامي يقول سألناه قلنا له يعني كان الجراس بريزيدنسيال العفو الرئيسي اللي طلبوا من سيادة رئيس الجمهورية التونسية باش قايد سبسي ما يتمش وكان هو إلى ريكور لامنيستي انترناسيونال يعني هذا كله ما يتمش شنو باش تكون المرحلة الجاية قال اللي فما برشا مؤسسات يعني انترناسيونال عالمية باش يتم اللجوء ليها جوستومون باش يحاولوا يلقاو حل العصام وليد وإن شاء الله يا رب يتحل المشكلة هذه وإن شاء الله تونس ما تعودش تيح تحت نفس القضايا الكلمة ليك